Emma, la gagnante de The Voice Kids, nous a confié son bonheur d'avoir remporté le concours de chant. Sa dernière interprétation a ému tout le monde. C'est grâce à I Have No Feeling de Whitney Houston qu'Emma a remporté la finale de The Voice Kids, vendredi soir. Au lendemain de sa victoire, la petite fille de 10 ans a confié son bonheur à 20 minutes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir remporté The Voice Kids? Je suis super contente parce que je ne m'y attendais pas. Harmonia chantait très bien, les autres étaient tous exceptionnels. On était super proches, on s'amusait et c'était bien. J'ai reçu de très bons conseils de mes deux coachs, vraiment formidables. Et je remercie mon papa, ma maman, ma manageuse et mes deux grandes sœurs. As-tu réussi à dormir cette nuit? Pas trop. J'étais tellement contente que j'ai pas réussi à dormir. J'ai dîné, et puis on s'est couché super tard parce qu'on a fait plein de jeux rigolos avec les autres candidats. Est-ce que tu vas reprendre l'école normalement ou faire beaucoup de chant? Il ne va rien y avoir de différent, je vais continuer à chanter, bien évidemment. À l'école, les gens vont venir me féliciter et ça va me faire plaisir. Mais je pense que c'est tout. Et est-ce que tu penses continuer à voir Serge Lama? J'espère continuer à prendre des goûters chez Serge Lama parce que vraiment ils sont super bons ces gâteaux. On a vu beaucoup d'autres enfants de The Voice Kids intégrer les Kids United ou d'autres projets avec des enfants. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? On verra ce que les gens me proposent et je dirai sûrement oui. S'il y a du chant, de la musique, je ne refuserai sûrement pas. Et tant que je continue à m'amuser, mes parents seront d'accord, je pense.